Cameroun Cultural and Digital Youth Summit, un événement gratuit et bénévole initié par l'association à but non lucratif Influence Omboa, dans sa troisième édition centrée sur le thème « La technologie comme catalyseur de croissance pour la jeunesse, l'éducation et la culture camerounaise », tenue au siège du GECAM à Douala Bonandjo, dans la capitale économique camerounaise, qui a commencé le 9 novembre dernier, a clôturé ce jour, 15 novembre 2024, convaincu que la technologie constitue un levier essentiel pour le développement du Cameroun. Cette initiative vise donc... L'objectif de manière globale, c'est, comme j'ai dit, de démocratiser les opportunités du numérique à tous les jeunes, aux acteurs de la culture, et faire cette éducation numérique-là. Aussi, permettre aux membres du gouvernement et à l'État de promulguer des lois et des législations qui vont en faveur des jeunes et en faveur du numérique. Un grand moment qui a réuni des experts dans les domaines technologiques, des entrepreneurs, chefs d'entreprise, étudiants et bien plus encore, autour de nombreux panels à des thèmes très édifiants et bénéfiques pour tous, à l'instar du fact-checking, la lutte contre les fake news et les discours de haine, l'équilibre de l'économie avec le digital, réussir son insertion professionnelle à base des outils numériques tels que l'intelligence artificielle, pour ne citer que ces paraphrases, et dont l'importance se veut capitale, tirant un coup de chapeau à l'initiative. C'est une très très bonne initiative, et je l'ai dit d'ailleurs à Mauriac, parce qu'il est important de transmettre. Beaucoup d'entre nous n'avons pas eu de modèle dans l'écosystème du numérique. Il est important que nous, qui avons essayé de faire des choses, puissions donner cette fièvre-là, ces conseils-là, d'éviter les pièges. Leur dire, OK, c'est possible de réaliser vos rêves, continuez à rêver, parce que c'est la créativité qui est la source de tout. Et après, à force de travailler, on finit par avoir le succès. C'est alors un événement qui s'achève en toute fierté avec un bilan élogieux. Alors, pour revenir sur le bilan, c'est quelque chose de très, très positif. Nous sommes sur une très bonne lancée. On a commencé le projet, on était sur une journée là. On est parti sur trois journées, ce qui montre qu'on évolue. Et là, on a fait une très, très belle salle du GECAM. Et j'espère que pour les prochaines éditions, on va pouvoir continuer à innover et à s'améliorer. Rendez-vous à la prochaine édition qui promet d'être à la hauteur de toutes les attentes. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en replay sur l'application Ekonuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.